Le mercato estival est ouvert et le Real Madrid, champion d'Espagne en titre, souhaite dégraisser son effectif pléthorique. Voici les 8 éléments indésirables dont Zidane veut se débarrasser le plus rapidement possible. Le Gallois est plus que jamais poussé vers la sortie. Ses rapports compliqués avec son coach l'ont relégué sur le banc durant la majeure partie de la saison écoulée. Mais problème, peu de clubs se bousculent pour Bale. Son salaire astronomique refroidit les ardeurs de ses prétendants. Le Colombien fait aussi partie des joueurs qui ne sont pas d'accord avec les choix des Isos. Everton et Arsenal sont les deux clubs qui sont chauds pour l'accueillir. Il a fait la pré-saison avec le club de la capitale, mais Zidane ne compte toujours pas sur les services de celui qui sort d'une belle fin de saison à Arsenal. Les Gunners et le Betis seraient sur le coup, et l'Espagnol ne devrait pas avoir trop de mal pour trouver un nouveau point de chute. L'ex-attaquant de Lyon a toujours du mal à se trouver un club et ne semble pas vraiment convaincu par Benfica qui a pourtant un accord avec le Real Madrid pour un prêt du joueur. Prêté à Levante la saison dernière, il devrait être vendu définitivement à Valence. Brillant lors de son prêt à Séville, le latéral gauche espagnol pourrait rester du côté de l'Andalousie, alors que Naples et Chelsea sont aussi intéressés par ses services. Auteur d'une excellente saison à Leganés, celui-ci sera vraisemblablement vendu à Séville selon les médias espagnols. Non voulu par Zidane, il serait tout proche de l'AC Milan.